Mesdames, Messieurs, en préambule, je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance et nous ont soutenus. Merci à tous les citoyens de Vallon-Pont-d'Arc venus ce soir pour partager un moment important dans la vie démocratique que constitue l'installation du nouveau conseil municipal. Lors des élections municipales du 23 mars 2014, les électeurs de Vallon-Pont-d'Arc nous ont élus pour 6 ans, leurs représentants au conseil municipal. 15 conseillers issus de la liste Ensemble pour Vallon, Terre de Passion, et 4 conseillers de la liste Vallon, Horizon 2020. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, vous venez à l'instant de me confier la responsabilité de maire de Vallon-Pont-d'Arc. Mes premières pensées iront vers ma famille. Merci donc à Elisabeth, à nos enfants, à leurs conjoints et à tous mes proches pour leur soutien sans faille durant la campagne électorale de 2014, mais aussi, précédemment, pendant des moments difficiles qui suivent un revers électoral, parfois difficile à accepter, mais auquel on se doit de se résoudre si l'on accepte le principe de toute démocratie. Merci à nos amis et aux citoyens vallonnais qui soutiennent notre action, basée non sur des étiquettes politiques, mais sur la complémentarité et le respect mutuel des personnes et de leurs valeurs au travers de leurs compétences plurielles. Nous sommes certains que ces convictions multiples sont une force et une chance pour notre village, quand elles sont rassemblées dans le respect de l'humanité et de la laïcité. Dimanche dernier, vous avez majoritairement souhaité voir évoluer Vallon autrement. Vous nous avez fait part d'espoir de changement en nous encourageant à nous engager dans cette élection municipale. Le résultat obtenu témoigne de votre volonté et au nom de toute notre équipe, je vous dis merci. Désormais, nous sommes 19 femmes et hommes, tous représentatifs de l'ensemble des citoyens, élus pour défendre l'intérêt général des Vallonnaises et des Vallonnais. Je sais que je peux compter sur leur efficacité, leur disponibilité et leurs compétences dans tous les domaines où ce sera nécessaire pour mener à bien les actions qui vous tiennent à cœur. Je suis sûr qu'ils sauront conduire à bon port les réalisations indispensables à l'évolution de notre village. De nouveaux défis seront à relever dans l'avenir, mais aussi dans un futur proche, avec des échéances déterminantes pour Vallon-Pont-d'Arc et sa région. Nous allons désormais tout mettre en œuvre pour respecter nos engagements et contribuer à faire de Vallon un village où il fait bon vivre. Pour y parvenir, nous aurons besoin de tous les élus, mais aussi de la participation de l'ensemble du personnel municipal, administratif et technique, ainsi que des services de l'État, de la région et du département. Pour y parvenir, nous serons actifs dans l'intercommunalité et les différents syndicats et organismes auxquels la commune est adhérente. Nous soutiendrons les nombreuses associations locales et les organisations socioprofessionnelles. Enfin, nous souhaitons la participation de l'ensemble des citoyens intéressés pour la vie de notre village, pour continuer à construire l'avenir avec nous. Nous leur ouvrirons largement les portes de la mairie. Nous serons à votre écoute et nous aurons à cœur de vous consulter sur les projets et actions que nous entreprendrons. Pour ma part, à partir de cet instant, je serai le maire de tous, soucieux de défendre avec passion les valeurs républicaines et démocratiques qui sont les nôtres. Liberté, égalité, fraternité. Vive Vallon-Pont-d'Arc. Merci pour votre attention.